C'est toujours un réel plaisir, madame, monsieur, de nous savoir nombreux, branchés devant vos postes téléviseurs pour suivre cette édition de la mi-journée. Madame, messieurs, bienvenue. Ouvrons cette édition par cette information de la présidence. Un rêve retrouve en ce jour sa réalité, la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la population de Mongafula, à Lembaïmbou, de l'érection d'un centre de captage d'eau potable de la régie des eaux se matérialise. En ce jour, Félix Tshisekedi va dans quelques minutes procéder à l'inauguration de ce centre qui va desservir les communes de Kisenso, Kimbanseke, Njili, Ntsele et Mongafula à une capacité de 35 000 m3 par jour. Bien avant l'arrivée du chef de l'État, notre équipe sur place a récolté quelques impressions. Constance Chimanga. Madame, il y a un adage congolais qui nous dit que l'eau c'est la vie. On ne peut pas vivre sans l'eau. Nous sommes venus ici assister à l'inauguration d'une grande usine qui doit servir à une grande partie de l'eau qui doit servir à desserte en eau potable. Et donc, ce sont les travaux qui ont pris 30 mois et aujourd'hui c'est l'inauguration. Nous sommes venus palper du doigt. On n'a pas voulu attendre devant les médias, mais on effectue une descente. Voici la descente qui est effectuée. Et au retour, nous saurons maintenant comment décortiquer et critiquer par ce qui a été fait et ce qui devra être fait par la suite. Beaucoup de gens disaient que ce sont des promesses non tenues. Mais en voici la réalisation. Je crois que cette usine servira et les opposants et ceux-là qui sont au pouvoir. Même les démons vont toujours consommer cette eau sous le régime de Tshisekedi. Donc c'est l'eau comme l'eau maintenant, c'est comme un stade et qui doit gérer tout le monde. Oui. Dans un autre chapitre, rentrée politique pour Vital Kamerhe, président national du parti Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, ce lundi dernier. C'est sa toute première sortie médiatique et politique après son acquittement par la justice. Vital Kamerhe passé à peine fin la situation du pays. Suivez-les dans ce propos recueilli par Aïssa Kitambala. Les matières premières, cuivre, diamant, cobalt, manganèse, cassitérite, coltan, l'or, tous les tableaux de Mendeleïev se retrouvent à quelques différences près dans ce pays. Donc, notre pays peut aujourd'hui résoudre ce problème de l'humanité, mais malheureusement, ça se fait chaque jour aux dépens des Congolais. Nous parlons ici des produits stratégiques. Quand le monde commence à basculer vers l'automobile électrique, à 75% les regards sont tournés vers la République démocratique du Congo. Je ne vais pas vous rappeler la superficie des terres arables, accessible tout de suite, 80 millions de terres. Irrigable, 40 millions de terres. Et les calculs, les études qui ont été établies confirment que nous pouvons nourrir 2 milliards d'individus. De quoi résorber deux fois le déficit alimentaire mondial. Est-ce que ce n'est pas une chance pour l'humanité, notre pays? Mais pourquoi nous devons continuer à nous lamenter? Le développement de la République démocratique du Congo dépend des Congolais, bien plus d'un leadership visionnaire, rassembleur, éclairé et qui mette tous les Congolais au travail. Le Congo a la vocation d'être la locomotive d'Afrique et non pas à la queue parmi les pays les plus pauvres de l'humanité. Parlons éducation. Rentrée scolaire 2022-2023, on en parle dans cette édition. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, a au cours d'un briefing avec Patrick Muyaya, ministre de la communication et médias,
rassurer l'effectivité de la cérémonie officielle qui aura lieu sur toute l'étendue du territoire national le 5 septembre prochain. Sanglar Manzambi était présent pour le compte de notre rédaction. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a tenu à fixer l'opinion sur l'effectivité de cette cérémonie. Si les banques syndicales ont accepté de pouvoir nous assurer une rentrée scolaire effective, apaisée, qui respecte les calendriers scolaires de manière à ce qu'ils ne soient pas perturbés, nous voulons privilégier la qualité des enseignements et des apprentissages. Les parents doivent préparer déjà la rentrée scolaire pour les enfants. Elle sera lancée, comme je l'ai dit, dans la province de Lomami, et le 5 septembre, tous les bleus blancs vont reprendre les chemins de l'école. Sur les acquis de la gratuité de l'enseignement, le patron de l'EPST reste confiant de son effectivité. En ce qui concerne la gratuité, je peux vous assurer, avec les principes de travailler sur terre et en contact permanent avec nos cadres provinciaux, la gratuité de l'enseignement est effective sur toute l'étendue du territoire. Je l'ai dit, sans peur d'être contredit ici, la gratuité est effective avec toutes les itinérances que nous venons de parcourir, et je précise, dans toutes les écoles primaires publiques. Répondant aux questions des chevaliers de la plume, Tony Mwaba rassure que même dans des zones à conflit, les élèves ont bel et bien passé l'examen d'État. Occasion pour ce scientifique, à la tête de ce secteur de l'éducation, d'interpeller les prophètes du malheur. Les écoles de prestige, les Boboto, les Bossandani, qui touchaient 45 000 francs comme frais de fonctionnement, aujourd'hui ces écoles touchent 2 450 000 francs. Donc on a ajouté 2 405 000 sur ces écoles. On vous dira que... Affaire résurgence du phénomène Kuluna à Kinshasa, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, en appelle à la collaboration de tous et à la coopération de ces jeunes pour leur réinsertion sociale prônée par le gouvernement. Une fois de plus, Sanglar Manzambi. La résurgence avec cruauté de la délinquance juvénile, communément appelée Kuluna, inquiète le gouvernement de la République. Au dernier débriefing du gouvernement sur la rentrée scolaire tenue avec le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a fait mention sur cette question d'actualité. Nous travaillons étroitement avec des structures, notamment, qui vous voyez souvent, l'honorable Jean-Marie Nicolassi, qui travaille de manière étroite avec la police. Kuluna est un criminel. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est d'une violence inimaginable. Moi, j'habite Banga jusqu'à aujourd'hui. Et donc, régulièrement, nous suivons des cas comme ceux-là et nous les dénonçons. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai tenu moi-même une réunion avec l'honorable Nicolassi à ce sujet. Ils ont commencé par la partie des Kintsuka, évidemment avec la police nationale, parce qu'il y a une dimension de sensibilisation d'abord. On vous dit, arrêtez ce que vous faites, revenez, on vous prend en charge dans une structure. J'ai lisé ce matin que certains vont faire un déplacement, d'autres qui construisent et qui sont encadrés notamment par les générales du service national. Ça veut dire qu'il y a une volonté claire d'y arriver, de régler la question. Mais malheureusement, ça va nécessiter du temps et ça nécessite à la fois de la pédagogie. C'est pour ça qu'ici, nous voulons avoir des parents comme alliés. Parce que lorsque nous reviendrons avec l'autorité de l'État de manière sévère, il y aura encore des rapports qui viendront dire « Ah, vous, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. » Ayant à l'esprit qu'aucune décision ne fera l'unanimité, le gouvernement doit prendre des mesures courageuses pour le salut du peuple. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a tenu à informer la poursuite des publications des résultats de l'examen d'État édition 2021-2022. 6 provinces éducationnelles au pays seront leur lauréat ce mardi. L'annonce était bel et bien du ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, au cours de ce briefing tenu hier en vue de rassurer les parents sur la rentrée scolaire 2022-2023 fixée au 5 septembre. La suite
de ces publications des résultats de l'examen d'État se fera selon la disponibilité mise à jour par le ministère de l'EPST. Prenons une autre information en bref. Direction Lualaba, placée sous le contrôle de l'inspection générale des finances depuis plus d'une année, la fin de la mission des inspecteurs et assermentée de l'IGF vient d'être annoncée. Jules Alinguete, qui a fait cette annonce lors de son passage à Kolwezi, estime que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit être fier de cette province qui matérialise sa vision en termes d'encadrement des recettes et réalisations sur terrain en faveur de la population. Le patron de l'inspection générale des finances a également exprimé son satisfait d'apprendre que le gouvernement provincial, avec à sa tête Fifi Masuka Saini, a apuré plusieurs dettes contractées il y a quelques années passées. Et en sécurité, conflit interethnique des peuples Teke et Yaka, on en parle aussi dans cette édition. Plusieurs villages se sont complètement vidés dans le territoire des Kwamout, province de Maïndombe. Les jeunes de la cité Kwamout, chef-lieu du territoire, munis d'armes blanches, organisent actuellement des veillées dans l'idée de repousser une imminente attaque des hommes armés. Suivez ce commentaire. Les conflits interethniques qui sévissent ces derniers jours au territoire de Kwamout dans la province du Maïndombe entre les tribus Yaka et Teke prend de plus en plus une allure inquiétante. Le dernier affrontement en date s'est lui enregistré le vendredi 19 août dernier au village Masiakoua, localité située à plus de 65 km de la cité de Kwamout, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Le bilan provisoire de ces attaques fait état de 5 morts dont plusieurs blessés graves, dont les chefs coutumiers du village Masiakoua et sa femme décapités. Comme les images le disent bien, la hache de guerre entre les communautés Teke et Yaka est loin d'être enterrée, nous renseigne nos sources. La population, elle, très touchée des affrontements en répétition, ses pleins de silence radio des autorités nationales, ne prenant pas sommeil à cause de l'insécurité grandissante qui sévit ces derniers jours dans les territoires de Kwamout. Elle en appelle à l'implication totale du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à déployer une équipe des agents de l'ordre à Kwamout pour mettre hors état de nuire ces assaillants qui sont armés jusqu'aux dents. Et d'ajouter que ces assaillants qui opèrent sur une grande partie du territoire de Kwamout sont munis des armes de guerre. Conséquence, plusieurs villages sont vidés de leurs habitants. S'agissant de la prison en charge des victimes blessées lors de ces affrontements, elles sont transférées à l'hôpital général de Kwamout pour bénéficier des soins intensifs. Il convient de signaler qu'une délégation du gouvernement provincial conduite par Madame le gouverneur Rita Bola est arrivée ce samedi à Kwamout en provenance de la ville du Nongo, chef de l'État du Maïndombe, avec comme objectif restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Prière de nous excuser pour la qualité de ces sons. Je vous ai annoncé à l'entame de ce journal que le chef de l'État va inaugurer le centre de captage d'eau potable de la Régie des Eaux, direction Lembaïmbou. Madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Vous suivrez cette cérémonie en direct sur Face Télévisions.